me rapproche. Vive la République! Moi, c'est Rasta Président. Je suis ici à Lyon pour manifester aujourd'hui, le 2 octobre 2010, avec les amis Raelia. Manifester pour la liberté de s'habiller comme on veut, hein, avec la burqa ou sans la burqa, mini-jupe ou tenue, en string, comme on veut. Et je suis candidat aux présidentielles de 2012 en France. Et vous pouvez lire toute ma campagne sur rastapresident.com. Ça, c'est le single Femme Fontaine. Parce que je suis pour la libération sexuelle de la femme française. Et lors de ma présidence, je vous promets la meilleure des libidos. Citoyenne. D'ailleurs, en parlant de libido, j'aimerais mettre le tantrisme comme religion d'État. Je vais virer la laïcité à la poubelle. On va mettre le tantrisme. Le tantrisme, c'est d'ailleurs la première des religions de laquelle découlent toutes les religions, même la religion raélienne. Et c'est une religion qui apprend à bien faire l'amour avec des prêtres, des prêtresses. Moi, j'ai envie que la NPE, enfin maintenant Pôle emploi, devienne l'Agence nationale pour l'érotisme avec des conseillères en string. Et puis j'ai un autre slogan d'ailleurs en parlant de Pôle emploi, c'est 100% de chômage. Pour moi, les robots c'est bien, le chômage c'est bien, c'est super. Il faut juste qu'on ait un revenu maximum par individu pour s'épanouir, passer du temps à créer, à être créatif, à faire l'amour, à méditer. D'accord. Vive la République! C'est quoi la connexion entre le Rastafari et les Raéliens? Alors moi, j'appartiens à toutes les religions, toutes les sectes et toutes les sociétés secrètes de la Terre. Et pour moi, il y a une connexion entre tout, en fait. Ah, bien sûr, le message raélien, c'est un petit peu plus récent, parce que c'est, je pense, la dernière en date des religions qui soit née ici en France, sur le sol français. Et on en est fiers. Mais moi, je vois aucune. Je ne suis pas dans un esprit de division entre les juifs chrétiens, les musulmans, les athées, les hindous, les raéliens, les bahaïs, tout le monde. Moi, je pense qu'il y a. En fin de compte, il n'y a qu'une seule religion, quoi, mais qui a été révélée d'âge en âge à travers plusieurs messagers, ou prophètes, ou sages, ou saints, ou maîtres spirituels, ou gourous. Dont aussi, dont Raël fait partie, dont le Dalai Lama fait partie, dont Rastafari fait partie, voilà. Après, bon, s'il y a des gens, des membres de religion qui se chamaillent entre eux, moi, mon prophète est meilleur que le tien, moi je sais, toi tu sais pas, ça c'est des âneries, quoi. Je veux pas rentrer là-dedans, moi je vois plus l'unité, quoi, de toutes ces belles communautés, diversité. D'accord. Donc on se retrouve en 2012 alors. En 2012, ça va chauffer. Ok. Vive la République. Merci.